Dimitri Traoré, ex-international malien, ancien joueur de Liverpool, Monaco, Marseille. Maintenant, je suis entraîneur de l'académie Right to Dream au Ghana. C'est un peu particulier parce que bon, je suis français, malien, je supporte la France, mais comme je travaille au Ghana, par exemple, je supportais le Ghana. Et comme je travaille aussi pour FC Nordsjælland de Danemark, je supportais le Danemark. Mais bon, les deux équipes, ils ont été sortis au premier tour. Ça fait que... non, Ghana au deuxième tour, mais bon. Les deux équipes ont été sorties, maintenant je supporte la France. Et de toute façon, j'ai toujours supporté la France. Et en ce moment, ils font du bon boulot, même s'ils ont perdu Karim Benzema au début du tournoi. Je pense que là, ils sont un peu dans les favoris et tout le monde les craint. Non, maintenant, depuis que je suis coach, je regarde plus les matchs de la même façon. C'est plus professionnel et j'essaie de couper des clips pour mes joueurs. Et c'est plus dans la tactique. Et on se sert de ça, beaucoup de vidéos pour les joueurs. C'est une façon d'apprendre pour eux aussi. Ouais, non, mais c'est un bon outil de travail. En plus, c'est une bonne façon, surtout pour nos joueurs, de voir des styles différents. Tu vois, et puis après, moi, je suis grand fan de l'équipe de France. Comme j'ai eu la chance de côtoyer Didier Deschamps quand j'étais à Marseille, ça fait que voilà, j'essaie de prendre souvent des bonnes phases, que ce soit offensif ou défensif. Mais pour nous, c'est plus par rapport à la mentalité de nos joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont très, très offensifs, mais des fois, ils oublient de faire le travail défensif. Ça fait que j'essaie de le montrer au haut niveau qu'il faut jouer quand on a le ballon. Et quand on n'a pas le ballon aussi, il faut jouer, il faut faire des efforts pour essayer de regagner le ballon. La première Coupe du Monde que j'ai regardée vraiment, vraiment, je crois que c'était en 94. Et bon, après, la seule que je me rappelle vraiment, vraiment, où j'ai été voir les matchs, c'était en 98, quand la France a été championne du monde. J'ai eu l'occasion de voir le match, je crois que c'était l'Arabie Saoudite contre la France, quand Zidane. Malheureusement, après un carton rouge. Mais voilà, c'était un super moment et ça m'a donné envie aussi de jouer. Mais j'avais 18 ans, de jouer au Stade de France, on va dire. Et au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de jouer au Stade de France. Mais bon, la Coupe du Monde, c'est vrai que ça m'a marqué à vie. Et je suis grand ami aussi avec Bernard Diomède. Ça fait que j'échange beaucoup avec lui par rapport à cette aventure qu'il a eue. Et c'est fantastique ce qu'ils ont fait en 98. Ouais, c'était en 98, ça m'a donné. Je pensais pas que ça avait un tel impact, l'effervescence et tous les supporters. C'était tout un pays ensemble pour une équipe. Et c'est vrai, de vivre ça en tant que spectateur et téléspectateur, c'est un moment magique. Et de voir même la France triompher, je me rappelle encore de cette nuit. Et, je crois que j'ai pas dormi toute la nuit. Et j'étais super heureux. Et c'est vrai que ça m'a donné envie encore plus de pousser et de faire cette carrière de footballeur. C'est l'objectif. Je ne vais pas vous mentir, c'est l'objectif. C'est pour ça que je suis devenu coach. Parce que voilà, j'ai pas réalisé mon rêve de jouer à une Coupe du Monde. Et je sais qu'au fond de moi, je vais tout faire pour le réaliser en tant qu'entraîneur. Et ouais, que ce soit avec l'équipe nationale du Mali ou que ce soit avec une autre équipe nationale, c'est mon objectif numéro un. Dire que non, faut pas dénier la Ligue des Champions, c'est un trophée prestigieux et c'est pas beaucoup de joueurs, on va dire, qui ont la chance de la gagner. Maintenant, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ça fait que c'est un rêve pour n'importe quel joueur de football ou entraîneur de participer. C'est un truc magnifique parce que c'est un moment que tu partages avec tout un pays, mais aussi avec une équipe. Tu vis pendant une vingtaine de jours, un peu plus, et tu essaies de gagner un trophée que tout le monde veut gagner. Et pour un pays africain d'aller aussi loin, ça fait plaisir de voir cette année que le Maroc sont en quart de finale. J'espère qu'ils iront un peu plus loin, mais c'est un objectif.